Et ça ne s'est pas passé bien pour les Girondins de Bordeaux battus 3-1 à Marseille avec très franchement pas vraiment d'occasion pour les Girondins qui ont été dominés assez rapidement par Marseille. Mais nous allons revenir sur cette rencontre avec Nicolas Le Gardien. Bonsoir. — Bonsoir. — Et puis avec Frédéric larry nous parlerons un petit peu de l'avenir des Girondins et aussi de l'avenir du foot français parce qu'il y a la fameuse affaire Media pro Le foot français est-il en danger Élément de réponse dans quelques instants. Mais avant, Nicolas euh, le gardien, euh, on attendait euh, une, une entrée euh, en cours de match de Athènes Benarfa. Ah ben non, la surprise, la surprise du chef, Jean-Louis Gasset, titulaire Ben Arfa tout de suite. Oui, c'est une demi-surprise parce que le staff avait largement laissé filtrer qu'il qu le trouvait bien physiquement par rapport à son manque, de, son manque de temps de jeu. Maintenant, ce qui lui manque, c'est le rythme de la compétition. Et pour avoir le rythme de la compétition, il faut jouer. Donc, ils se sont dit, bah, autant le faire jouer tout de suite. Et il y a un deuxième aspect qui, je pense, a poussé le staff à le titulariser tout de suite c'est l'absence de, de Samuel Kalou, qui, qui s'est blessé et qui enlevait finalement à l'équipe son seul autre euh, facteur X ou joueur capable de faire des différences. Donc, ils se sont dit, bon, bah, allez, tant qu'à faire, sans lui. Sans lui faut Il mieux, faut, mieux euh, faut mieux aligner Atem. Bon, on ne va pas faire une fixette sur Atem Benarfa, mais vous l'avez euh, trouvé comment Parce qu'il a inscrit un but refusé sur, sur hors-jeu il change euh, vraiment la, la donne au Girondins à Ben Arfa bah, je l'ai trouvé intéressant dans la, en première mi-temps sur, sur l'aspect technique parce qu'on a vu tout de suite quand même qu'il qu qu était un cran un cran au-dessus bah, là on touche au niveau technique un joueur de niveau, de niveau international donc il était intéressant dans, dans le jeu sur les petits périmètres pour trouver des décalages il a été intéressant dans la, dans la disponibilité aussi en première mi-temps beaucoup moins en deuxième où forcément on a, je pense qu'il a baissé de pied physique peu, physiquement et ouais. l'équipe étant reculant étant en Difficulté, bah, on l'a moins vu, il a touché moins de ballons, il a reçu moins de ballons. Après, il a été intéressant sur le plan technique, sur quelques, quelques combinaisons, notamment sur l'action du but refusé, où ça part d'un 1-2 avec Rémi Houdin, qui l'a remis un petit peu trop tard, et il se retrouve en position de hors-jeu. Mais il a été intéressant euh, à ce niveau-là. Maintenant, c'est à revoir, et euh, bah, à, domicile, à domicile ce week-end, un peu plus longtemps qu'une qu mi-temps, mais on sent déjà que techniquement, il peut apporter quelque chose. Oui. C'est là, justement, que visiblement, euh, ça a posé problème hein, du côté des Girondins de Bordeaux, l'aspect technique. On sait que Jean-Luc Gasset voulait faire d'athem Ben son leader technique. Il a dit à plusieurs reprises. Et là, on a quand même vu, effectivement, non pas le fossé, mais tout le travail qui restait à faire d'un point de vue technique par le reste de, de, de l'équipe hein, par rapport à Ben Arfa bah, Disons que voilà les autres ne vont pas se transformer euh, du jour au lendemain euh, à ses côtés. Ils peuvent élever leur niveau, ils peuvent euh, voilà il peut leur les tirer vers le haut. Après, ça reste euh, les mêmes joueurs avec leurs leur mêmes qualités, leurs mêmes leur même limites aussi. Euh, voilà Et maintenant, la, la difficulté pour Jean-Louis Gasset, ça va être trouver, les, on en parlait il y, a, il y a 15 jours, je crois, mais trouver les, les meilleures associations euh, pour jouer avec lui, autour de lui. Donc, meilleures associations techniques, meilleur positionnement. Ça, il n'a pas encore trouvé. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, que l'équipe a eu du mal à garder le ballon, du mal à, du mal à enchaîner, a subi. Et on a vu une différence, effectivement, individuelle, clairement, entre les, les joueurs marseillais et les joueurs girondins euh, ce week-end. On est bien d'accord, il n'y a pas photo sur le résultat, même si, effectivement, Maja réduit le score 3-1. Mais c'est anecdotique, les, les, les girondins ont eu du mal à exister euh, oui, oui, donc clairement, clairement, je pense que le, 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 score, est, le score est logique. Hein. Marseille a eu quand même le contrôle, du match, le contrôle du match, le contrôle des initiatives à jouer plus juste sans faire un match exceptionnel. Et ils ont été aidés forcément par, par le, le, le but de, de Tauvin très tôt, où là, bon, il y a un peu d'attentisme de la part des, des Girondins qui ne voilà, qui sortent pas assez vite sur lui. Et du coup, c'est vrai que ça, ça met Marseille, voilà, quand, quand on marque à la cinquième minute, tout de suite, ça, 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 ça met l'équipe dans le, dans, le bon, dans le bon tempo. Et à partir de là, c'était difficile pour les Girondins parce qu'ils étaient menés... Et qu'ils avaient du mal finalement à créer le danger. Je crois qu'ils ont deux occasions. Quoi. Ils ont les, la, la frappe de Basique et le coup franc de Basique en, en seule occasion. Donc c'est trop peu forcément pour, pour, pour inquiéter une équipe de ce niveau. Pour intégrer Athem Ben Arfa dans l'équipe des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset évoquait le terme de, de puzzle. Alors, ça vous semble être un puzzle ou, ou carrément un casse-tête là maintenant C'est un, un puzzle. Après, on en parlait déjà peu pareil il y a 15 jours. Ouais. C'est que cet effectif est. Pas, pas forcément équilibré, c'est-à-dire qu'il y a, ça manque de joueurs de côté, il y a beaucoup de joueurs notamment offensifs d'axe, il y a beaucoup de défenseurs centraux et pas beaucoup de solutions au poste de latéraux, donc euh, donc c'est un puzzle mais qui est faussé par le fait que euh, qu'il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent et que du coup et que Atim Benarfa qui a cette qualité technique en plus mais aussi un, un joueur axial, donc il remet un joueur axial, donc donc ça met de la difficulté pour trouver la, les, les, les meilleures associations et effectivement ça va être le challenge de de, de Jean-Louis Gasset donc euh, donc c'est un puzzle mais un puzzle qui est effectivement compliqué et puis après on repart de ce qu'on disait au début les joueurs vont pas non plus devenir se euh, des joueurs qui sont limités, euh, ouais, se transformer Benarfa, donc euh, euh, il faut faire euh, il faut faire avec en utilisant Ben Arfa en voilà du, au maximum donc euh, c'est le on va voir le, le les résultats euh, de cette journée donc avec euh, la défaite euh, des, euh, des Girondins de de Bordeaux le Paris Saint Germain qui euh, s'impose euh, 4-0 à Nîmes et puis euh, Lille qui bat Lance 4-0 un derby euh, Très difficile, on a compris pour les Lensois, Lille qui est en tête. On va voir le, le, le classement donc, de, ce, euh, de ce championnat de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui n'est pas loin. Alors regardons, 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 regardons. Les Girondins, 12e. Euh, voilà, ça, ça sent déjà la, la saison un petit peu ventre mou. Dans la même situation qu'il y a 15 jours avant le match contre Dijon, hein. c'est-à-dire qu'on a une équipe bon, qui a un petit peu de marge sur le bas du tableau, il faut toujours faire attention, mais un petit peu de marge, euh, et se situe entre cette 6e et cette euh, 16e place, et par la capacité à euh, prendre des points là où on n'attend pas, à battre aussi les équipes plus faibles, c'est comme ça qu'ils pourront être dans la première partie de tableau, donc le match contre Nîmes est aussi important pour ça pour gagner, pour être dans la première partie de tableau. Mais comme on le disait il y a 15 jours, 12e place, c'est à la base, le, le niveau, où on les attend. Donc c'est où ils performent et ils sont, ils sont au-dessus, et, et bon, on l'espère, et eux, ils l'espèrent aussi. Soit ils, ils font des contre-performances et ils peuvent se retrouver autour de la, de la 15e, 16e place. Mais entre, entre 8 et 12, c'est là où on les, où on les attend. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur ce qui attend les Girondins de Bordeaux pour la prochaine journée et la réception de Nîmes. Frédéric Lahry, est-ce que c'est l'occasion peut-être pour les Girondins de se refaire, entre guillemets, la, la cerise euh, à domicile Jean-Louis Gasset va certainement encore changer sa composition d'équipe, faire une autre proposition. Est-ce que c'est pas ça aussi qui commence à poser problème, malgré tout Le fait que depuis le début, il ben, n'y a quasiment pas d'équipe type oui, enfin, il, y a une, il y a quand même une équipe type en défense. Oui. Euh, D'ailleurs, n'était pas là Sauf à qu Marseille et est, et qui, est, qui était blessé, mais la, la, la base défensive, elle, elle existe. Et après, c'est vrai que, comme l'a dit Nicolas, la, la difficulté pour Jean-Luc Gasset, c'est de trouver la, la, la meilleure carburation en attaque avec un, un nouvel élément et essayer de, de trouver de la stabilité pour que ces automatismes se créent. Mais mais c'est pas facile pour toutes les raisons qui ont été évoquées c'est à dire que bon c'est un puzzle mais pas avec toutes les pièces qu'il faut ouais. donc c'est vrai que c'est pas qu puzzle, pas, facile. pas facile si, si, si en plus on mélange si le on puzzle, a des pièces deux en doublon seul. s'il y a des pièces en doublon c'est ouais, pas c'est pas facile mais euh, non mais je pense qu'il y a effectivement pour revenir à la question la, la réception de Nîmes qui est quand même un point devant Bordeaux hein, donc c'est pas non plus une équipe euh, euh, si mal classée euh, et l'occasion justement d'engranger pour pour, ben, pour prendre, euh, prendre du large, euh, oui, il voilà, faut engranger euh, voilà, avant l'hiver, hein, c'est euh, exactement, et, et, et être détaché de cette euh, zone de relégation pour être un peu plus libéré, pour ne pas avoir la pression à chaque match à domicile. Bordeaux-Nîmes, prochain match. Ensuite, il y aura Monaco-Bordeaux. Ah, ça risque d'être un peu compliqué. Ensuite, la réception de Montpellier, le Paris Saint-Germain n'est pas loin. On sait euh, tout de même les, les matchs qui viennent, là, hein, la, la série va être complexe hein, pour les Girondins de Bordeaux. C'est difficile. Oui, oui, bien sûr. On l'avait, c'était annoncé. Ouais. Euh, le fait d'avoir battu Dijon avait donné un peu, un peu Donc Nîmes, c'est la, c'est la même, c'est, la même pression, on va dire. Et, mais c'est sûr que là, c'est, un, un passage qui est, qui est compliqué avec des déplacements. Euh, euh, à Paris et, euh, et à Monaco, même si Monaco et est pas, et, et, pardon. Il y a Rennes aussi, Il a Rennes, Rennes. Rennes aussi, donc euh, voilà, Paris-Rennes, c'est deux, deux équipes de Ligue des Champions. Monaco, c'est quand même une équipe qui aspire à, à être dans les cinq premiers. Euh, Montpellier, c'est aussi une équipe, à, même si ce sera à Bordeaux, c'est une équipe qui est toujours difficile à, à manœuvrer. Donc oui, c'est un passage difficile. Dernière question, avant de parler de l'avenir du, du, du foot français, rien que ça. Euh, Nicolas le, le, le gardien, est-ce que c'est pas ça un peu la difficulté des Jean-Louis Gassé d'un côté la nécessité de, de trouver... La bonne formule, mais en même temps, il n'a pas forcément les mains libres puisqu'il y a quand même des, des, des échéances importantes et le risque potentiellement de perdre des points. Donc là, Jean-Louis Gasset, il se retrouve dans une situation quand même... Très délicate avec la nécessité tout de même d'obtenir des résultats, oui. Après, il est arrivé vraiment avec cet esprit là. C'est un peu différent avec Paolo Souza qui était arrivé euh, en se projetant. Il a toujours eu un discours en disant qu'il voulait former des joueurs, se projeter sur du moyen, du long terme. Jean-Luc Gasset, dès le mois d'août, il a dit Moi, ce qui m'importe, c'est le match suivant, c'est avoir la réussir à faire la meilleure équipe pour avoir le meilleur résultat. Donc, il reste dans cette optique. C'est pour ça qu'il change beaucoup aussi parce qu'il essaye de s'adapter à l'adversaire, mais forcément, il se heurte aussi bah, aux difficultés de bah, ce qu'on a dit, hein, trouver les associations les, les, les difficultés aussi par rapport aux joueurs qui va pour L'instant on n'a pas euh, visiblement encore trouvé euh, la bonne formule du côté des Girondins de Bordeaux. Média Pro, vous connaissez certainement ce qui se passe en ce moment pour euh, du côté de, de, de Média Pro, euh, la société qui a obtenu euh, les droits de retransmission des matchs pour euh, un, un milliard, hein, une somme. Euh, 1 milliard 15, un milliard quinze. Un milliard, pardon. Que pardon je, pour, je, les, pardon, la, pour la les 15 millions. Pardon. <laughs> euh, oui, non, vrai. Euh, un milliard, un milliard quinze. Et puis là, visiblement, bah, entre le Covid, etc., euh, Média Pro dit mais non, ça, ça les vaut pas forcément. On se rend compte que. De, de, de son côté, il n'y avait pas eu forcément euh, les, euh, les assurances bancaires demandées euh, par la Ligue euh, à, à Mediapro. Enfin, bref, est-ce qu'il faut aujourd'hui s'inquiéter pour, pour le foot français Est-ce que le foot français est trop euh, télédépendant Alors, il faut s'inquiéter, oui. Oui, oui. Là, c'est vraiment le moment de, de s'inquiéter parce que la, la situation est très périlleuse. Effectivement, c'est euh, 50 à 60 du voire 70-75% pour certains clubs, du financement des clubs qui est en, qui est en cause. Avec bon c'est 40 hein, à peu près. 40, euh, non, 50, 52 ouais, ou 3, enfin, voilà, je crois. Ouais. 52 ou 3, c'est... Bon, est... Est, sur, sur la saison actuelle, on était entre 40 et 45 ouais. millions d'euros euh, espérés sur un budget de 60 ou 65. Donc là, quand on, oui. on approche quand même à une grosse, grosse partie. Quoi. Ouais. La difficulté aujourd'hui, c'est que les clubs français, pour, pour schématiser, avaient trois gros piliers. C'était la vente de joueurs, puisque les, les clubs français vendent beaucoup, sauf qu'aujourd'hui Aujourd'hui, à cause du Covid, à cause d'un marché, ils ont beaucoup moins vendu pendant l'été. Les droits TV euh, aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation, et, et la billetterie qui était moins importante, mais qui permettait de, quand même de soutenir de soutenir l'ensemble, et aujourd'hui, un gros point d'interrogation. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout s'écroule en même temps. Et effectivement, c'est un peu une, une bulle qui s'écroule, sachant que tous les clubs ont préparé leur budget en fonction en fonction de ça. C'est vrai qu'ils prévoyaient pas que le Covid les prive de recettes pendant toute l'année billetterie, parce qu'on espérait qu'il y ait du, du public qui revienne. Euh, ils espéraient vendre un peu plus et la Ligue droit télé qui, qui s'écroule aujourd'hui. Comment ça peut se terminer cette, euh, cette histoire Parce qu'il y a un prêt, visiblement, qui a été mm -hmm. obtenu par la Ligue. Mais bon, enfin, c'est Elle... pas la Ligue qui va, euh, grâce à, ce, à ces prêts, payer les clubs. Comment ça peut se terminer cette histoire Mais là, La grosse difficulté, c'est que les clubs n'ont plus de billetterie, enfin de, de, de trésorerie, pardon. Donc, il faut euh, alimenter euh, les caisses des clubs parce que les clubs ont des, des salaires à payer, ont des échéances tous les mois. Donc, en attendant de régler éventuellement le problème avec MediaPro, la Ligue a puisé de, pour 50 millions dans ses fonds propres, parce qu'elle avait un petit trésor de guerre, et elle a contracté un prêt de 120 millions. Euh, c'est peut-être une banque anglaise, on ne savait pas trop. Pour que, pour compenser le versement qu'aurait dû faire Mediapro là, là ces jours-ci, pour que les clubs aient, aient un peu d'argent pour assurer la, 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 la trésorerie, un peu de, un peu de cash. La suite, c'est est-ce que pro est-ce qu'on se, se dirige vers une, enfin, une fracture totale, c'est-à-dire que Mediapro euh, ne paiera plus et donc il il faut, faut trouver un, un remplaçant. Le euh, canal à la rescousse. Ben, peut-être au canal ou Bein, voilà un autre... Donc ça veut dire lancer un nouvel appel d'offres, mais ça prend quand même du temps. Et le milliard 15, vous l'aurez pas là. Non, hein, le milliard 15, on l'aura pas parce que effectivement la, la bulle, la bulle s'est dégonflée. Mais il y a, y a un enjeu à court terme, c'est la trésorerie des clubs. Après à moyen terme et à long terme, c'est les, les droits télé où, sur quelle somme on se dirige. -ce mais la, la, la difficulté, c'est qu'entre le court terme et le moyen terme, il faut s'adapter, il faut adapter les, les, les budgets des clubs. Comme l'a dit Nicolas, tous les clubs ont budgétisé, forcément. On vous dit eh « Vous aurez et tant d'entrées d'argent. » Beaucoup ont déjà dépensé l'argent. Et, 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 et on, ouais, on ouais. sait qu'en plus, du côté des Girondins, pour revenir aux Girondins, mmh. il y avait déjà une petite ardoise. Donc, euh, ça ne fait que rajouter aux difficultés. Voir une grosse ardoise. Donc, ça, ça rajoute. Et comme l'a dit le disait Nicolas, tout, tout va mal. C'est-à-dire que transfert de joueurs, quasiment pas, parce que les clubs sont restés très prudents en Europe. Euh, fait la plupart des clubs. Bon, billetterie, euh, pas. Loge partenaire, il n'y a pas. Et là, les, les droits télé risquent de, de baisser, dans le meilleur des cas, d'un de, tiers. Donc, voire de, de diminuer millions de moitié, selon l'accord qu'on trouvera. Après, il y a, y a un, un problème qui est de fond, qu'il qu faudra traiter, quelques, après, ce, ce temps d'urgence, c'est l'offre du sport à la télé. C'est-à-dire que Mediapro, si Mediapro ne paye pas, c'est que Mediapro s'est rendu compte assez rapidement que son modèle n'était pas viable de faire payer 25 il fallait, euros. Il fallait 2,5 millions d'abonnés pour 15... C'est le point d'équilibre. 3,5 millions. 15, et demi. Voilà, 3,5 millions. millions et demi. Et demi. Enfin, enfin, le point d'équilibre. Même Beansport n'y est pas arrivé. Donc et Beansport euh, euh, avait quasiment un milliard de, euh, à traîner, à plus de 10 milliards de déficits. C'est le Qatar qui a épongé. Mais Mise à part Canal... Quasiment tout le monde s'est ouais. planté sur le sport à la télé. Sur le foot à la télé orange, ça n'a pas marché. Mid-sport, mmh. ça n'a pas marché. media pro, ça marche pas. Mais euh, disons que Canal avait autre chose que du football à proposer. Ouais. Du rugby, d'autres du, enfin, sports et du cinéma, évidemment. Donc là, on arrive à un moment où le, le, les, on se rend compte que euh, additionner les abonnements pour voir tout le sport, c'est-à-dire euh, 25 euros pour euh, Media Pro, euh, 25 euros, ça dépend des offres pour Canal, euh, 15 euros pour RMC pour la Ligue des Champions. Les gens ne peuvent plus, ne veulent plus, ne peuvent plus, c'est trop cher. Donc il faut arriver à un moment où on, où on offre, euh, un, on propose un abonnement qui soit en relation avec ce que les gens veulent. Voilà. Et non l'inverse, c'est-à-dire qu'on qu ne leur impose pas. Euh, ce qu'ils qu qu vont voir. On Donc, c'est ce peut-être la fin d'un modèle, hein, c'est ce mmh. à quoi il faut peut-être réfléchir, surtout pour le, pour le foot français, qui ne vaut pas forcément. Ouais. Euh, Autant que, on va dire, un championnat allemand ou un championnat anglais ou espagnol ben, Je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps, ça va être de sortir de cette crise, c'est un peu comme avec la, avec la crise sanitaire aussi, et le temps où, où à nouveau, il y aura peut-être un peu de visibilité et de réfléchir, de réfléchir à effectivement quel nouveau modèle pour, 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 trouver, pour trouver une stabilité, puisque là, quelque part, c'est une bulle qui s'est construite depuis 5-10 ans autour des transferts de joueurs et astronomiques bulles, et des droits TV, les deux étant plus ou moins liés. Et, et aujourd'hui, tout, 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 tout explose, donc c'est vrai que ça sera. Ce sera intéressant, mais à court terme, c'est d'abord savoir comment les clubs vont réussir à s'en sortir. Pour beaucoup, ils vont dépendre, et c'est le cas des Girondins. Je pense de leurs actionnaires, de leurs actionnaires en juin, de savoir voilà combien l'actionnaire est prêt à remettre pour 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 soulager les finances et, et repartir. Quoi. Ils vont être contents du côté de qui Juste une précision, la Ligue a quand même n'a pas demandé de garantie bancaire, mais ils ont une lettre d'intention de, de des actionnaires principes un des actionnaires de Mediapro en Espagne, l'actionnaire espagnol qui, normalement, doit pallier le, le manque de... Voilà. Donc, ils peuvent, quand même, il y a des voies juridiques pour juridique. aller chercher l'argent en Espagne. — Merci beaucoup, messieurs, en sachant, bien évidemment, que les aventures des Girondins de Bordeaux, c'est à suivre quotidiennement dans les pages de Sud-Ouest. Notamment, ne ratez pas, certainement, sur sud Vous pouvez retrouver une série de reportages sur Atem Ben Arfa, puisque la rédaction de Sud-Ouest est allée sur les traces d'Atem Ben Arfa. Et puis, aussi, l'affaire Mediapro, hein, sur laquelle vous, vous revenez, messieurs, assez régulièrement, quoi en soi, merci. Et puis, euh, et puis, on va suivre de près les Girondins de Bordeaux avec euh, le puzzle multipièce de Jean-Louis Gasset. Merci. Merci.